Est-ce que le Maroc est le grand favori de cette compétition? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Maroc. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo ici, nous on parle de foot. Ici, nous on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, on va d'abord appeler la poule du Maroc. Ils sont dans la poule F, une poule constituée de la RDC, la Tanzanie et la Zambie. Moi, je pense que c'est une poule qui est largement à la portée du Maroc. Le Maroc doit sortir premier de sa poule. Maintenant, donc, est-ce que le Maroc est le grand favori? Déjà, le Maroc, les amis, ils sont demi-finalistes de la Coupe du Monde. Mais en Coupe du Monde, les amis, ils jouaient en bloc bas. C'est-à-dire, ils étaient outsiders. Ce sont eux qui jouant contre, ils ne faisaient pas le jeu. Généralement, ils ne faisaient pas le jeu. En CAN, ils seront obligés de faire le jeu. Ils seront obligés de faire le jeu. Vous pensez que Maroc, Zambie, vous pensez que la Zambie va faire le jeu? Vous pensez que Maroc, Tanzanie, vous pensez que la Tanzanie va faire le jeu? Non, non, non. C'est le Maroc qui va faire le jeu. Et lorsque le Maroc fera le jeu, les équipes vont jouer à bloc bas. En bloc bas, est-ce que le Maroc aura les clés pour pouvoir percer ces blocs bas, pour pouvoir perforer ces blocs bas. C'est ça toute la question. On sait que le contexte en Afrique n'est pas le contexte européen. Ici, on joue sur des stades, là où il y a beaucoup de chaleur. Donc, c'est vrai que au Qatar, il y avait également la chaleur, mais le contexte africain, ce n'est pas le contexte européen. Ce n'est pas le contexte européen. Et tu as des équipes qui jouent très très bas, qui te rentrent dedans, qui sont costauds physiques. Bref, ça sera très compliqué pour le Maroc. Après, est-ce qu'ils sont les grands favoris? Moi, je penche plutôt sur le Sénégal, les amis. Le Sénégal, c'est une équipe qui est outillée. Ils ont les armes, surtout avec le nouvel avant-centre ici, Nicolas Jackson. Moi, je pense que le Sénégal, franchement, pour moi, c'est le grand favori. Après, c'est mon avis. Partage-moi le tien en commentaire. Est-ce que tu penses que le Maroc est le grand favori de cette CAN? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, c'est à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao!